cristaux me rappellent ceux du lac cristallin. Ça doit être le laboratoire zéro, j'imagine, vu de l'extérieur, il correspond exactement à la description de Madame Alisma. Alors, c'est ça le fond de la zone zéro? Mais non. D'un côté, tu as raison, et de l'autre, ce n'est pas exactement ça. C'est bien le fond du cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier la zone zéro à l'époque. Et il existerait aussi un étage inférieur dans ce laboratoire où se trouverait une mystérieuse pièce aux fonctions inconnues. Mais moi, je veux aller encore plus bas. Ok, j'ai rien compris, mais en gros, il faut qu'on rentre dans ce labo au zéro, c'est ça? Sauf que c'est fermé. Ah oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait, Ravière? C'est pas ta première fois ici, t'as une idée? Il faut utiliser le panneau. Waouh, comme dans les films d'espionnage, trop cool, là. Oh non, rien, oubliez-moi. Très bien, Ravière, peux-tu t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Ça pue, il va se passer un truc. Y a quelqu'un qui va nous doubler ou je sais pas quoi. Voulez-vous ouvrir la porte du laboratoire zéro? Je suis dans une période d'inactivité prolongée. Hein? On ne peut pas ouvrir la porte alors? Tu l'avais pourtant déjà ouverte, non? Est-ce que quelque chose a changé depuis? La professeure était à l'intérieur et... Je vois, j'imagine que vous avez dû effectuer certains préparatifs en amont en suivant les instructions d'une personne déjà à l'intérieur. Bip. Disque indigo détecté. Disque indigo détecté. Il y a quelqu'un? Insérez le disque indigo pour recevoir un accès de niveau supérieur. Insérez le disque indigo. C'est juste le système qui parle, un peu comme les machines ACT, tu vois. Le disque indigo. Est-ce qu'il s'agirait de l'étrange objet qui t'a remis Madame Alisma? Oh, ça a l'air fun puisque c'est demandé si gentiment. Vas-y, Ravière, insère-le. Insérez le disque indigo. Insérez le disque. Insertion du disque indigo confirmée. Redirection de l'ascenseur du laboratoire 0. Nouvelle destination, abîme 0. Brrr. C'est ouvert. Allons-y. C'est parti, mon kiki. Ok. Mais il fait trop noir ici, j'arrête pas de me cogner. C'est parce que tu cours sans regarder où tu vas. Casse. T'as enfin décidé de reparler à ta sœur adorée? Je vois pas de quoi tu parles. Elle est où la prof? Elle farfouille dans la paperasse là-bas. C'est pas des photos et des trucs privés ça? C'est pas cool de les regarder sans permission. Et monsieur a des principes. Je lui dis, la prof, elle joue un double jeu, c'est pas possible. Madame, l'ascenseur est là, vous vouliez descendre, non? On y va. Ah oui, on descend. Ouais, et puis la... Le retournement de veste, cette fille. Enfin, cette femme. Oh, c'est donc cet ascenseur qui t'a permis d'accéder à la fameuse salle secrète, ça? Exactement. Fascinant, absolument fascinant. Bien, descendons sans plus attendre. Et vous attendez quoi? Pourquoi c'est toujours moi qui... C'est absolument renversant, cet ascenseur ne s'arrête pas de descendre. En même temps, c'est le but d'un ascenseur. D'ailleurs, il descend super vite, hein, j'ai l'impression de flotter. Dites, le panneau de tout à l'heure, il n'a pas dit un truc au sujet de la destination de l'ascenseur? Ah oui, je crois bien, la voix disait « Redirection de l'ascenseur, il n'y a qu'un seul ascenseur à l'intérieur du labo 0, il s'agit forcément de celui-ci. » Et donc... Et donc, nous nous dirigeons vers une destination parfaitement inconnue, n'est-ce pas palpitant? On voit le piège arriver. Oh là
là là. Oh là là. Si je comprends bien, on est encore plus au fond que le fond de la zone 0, c'est ça? Exactement, mes données m'indiquent que nous sommes bel et bien à un niveau encore inférieur. L'ascenseur serait donc descendu encore plus bas que la destination pour laquelle il était initialement programmé. Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie cette zone 0. À ce stade, je crois plus que rien ne me surprendra. Dites, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Hein, c'est quoi ce délire? Qui a mis un bureau ici? C'est un rapport de recherche signé de la célèbre professeure Olin. Une large cavité se trouve en dessous de la zone 0. C'est là que sommeillait Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour se protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un peu avant son réveil. J'ai observé une variation jusqu'à là inconnue de la terra-cristallisation à l'intérieur de cette immense grotte. Terrapagos en est-il l'origine? Cette terra-cristallisation regroupe tous les types. J'ai provisoirement appelé cette variation le type stellaire. Terrapagos est le trésor enfoui de la zone 0, et il y sommeille sous la forme d'un cristal. Et ce type stellaire, je ne comprends pas. Ah, mais quelle brillante découverte, toutes ces informations que Bruyère ne mentionne pas. Ce document à lui seul constitue déjà un trésor inestimable. Tout ça pour un endroit chelou, il n'y a pas de quoi s'exciter à ce point. Terrapagos est le trésor enfoui de la zone 0. Vite, faut continuer d'avancer. Attendez, laissez-moi lire encore un petit peu. Non, vous avez raison, allons-y. Après tout, la vérité ne prend tout son sens que lorsque l'on constate de nos propres yeux. Allons-y, mais restons prudents. Ok. On va trouver... On va se faire bouffer, ou ça me fait très peur là, cet endroit. Se retrouver face à face, face à des Pokémon hyper rares. C'est quoi ça, une fleur de cristal? C'est joli, mais elle bloque le passage là, on peut plus avancer. Oh, je sais, tu vas pas demander à Trucédon de la détruire. Ok, essayons ça. Oula, non, 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 attendez. Tout porte à croire que cette masse est un pur concentré des énergies terra-cristal. Qui sait quel genre de réaction se produirait si elle était détruite par la force? Bah, on fait quoi alors? Ça alors, on trouve des Pokémon ici aussi? Et que vois-je, il est entouré d'une énergie des plus mystérieuses, qui plus est. Et reculez, madame, vous savez bien que vous êtes incapable, parfaitement incapable de vous battre. Casse, non, Ravière, tu t'en charges. Éclat, éclat. Attends, il faut faire quoi? Il faut le battre. Il faut éclat, là. Ah ouais, c'est le type stellaire quoi, tous les types. Oh là là. Ça pue, ça pue, ça pue. Mais quelle est donc cette énergie? Ça par exemple, est-ce que ce serait... Psycho. À toi avec Rayon Game. Ok. Attaque avec Psycho. Psycho. On va le capturer là déjà. Bien joué, Ravière. Ah, il faut battre des Pokémon comme ça. Le gros cristal a disparu pour pouvoir débloquer les passages. Ça veut dire que si on débarrasse des Pokémon Ghibri, les fleurs de cristal disparaissent. Mais alors, si j'en crois ce que disait le rapport de tout à l'heure, c'est donc le type Terra Cristal Stellaire qu'on pourrait ressentir l'énergie de tous les types. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de battre le trésor enfoui de la zone 0, là? Non, enfin, tout porte à croire que non. Le rapport de la professeure Olin stipulait que le trésor enfoui de la zone 0 sommeille sous la forme d'un cristal. Le floréclat qu'on vient de combattre ne pouvait donc pas être le trésor enfoui. Ah non, ce n'était pas Terrapagos, j'en suis sûr. Pardon, on verra plus clair si on continue d'avancer. Allons-y.
Terra Crystal, c'était leur. On peut pas tomber, j'imagine. Stracy. Bon, j'en profite déjà pour récupérer des PV. Merci. Et de le capturer, je me ferai pas avoir parce que j'ai réussi à utiliser une Master Ball sur un Pokémon Paradox et je suis dégoûté. Vraiment. Je suis dégoûté de chez dégoûté. Allez, à la Lux Ball. Ok. Pokémon joyaux, ils sommeillent sous terre pendant des centaines de millions d'années après leur naissance. On en trouve parfois en creusant des cavernes. Je vais récupérer. Ah, merci. Il doit y avoir un Pokémon d'intérêt cristal ici, c'est pas loin. Là. Ah, j'ai trop peur de tomber. C'est quoi ce délire? On peut pas tomber, c'est pas possible. Il est où le Pokémon? Ah, il doit... voilà, il est en... C'est une reverne. Ok. Ouais, mais du coup, c'est quoi qui est super efficace vu qu'on a... Là, il prend son type normal, en fait. Attaque avec Ball Ombre. Voilà, il prend son type normal. C'est quoi qui est super efficace? Parce que le dernier, c'était un truc super efficace. Je comprends pas. Ça rate. Allez, élimine-le avec Ball Ombre. Bon, violent, ça rate. Ok. C'est toujours nous qui font le sale boulot, en fait. Bien joué, Ravière. C'est bon, le machin de cristal a disparu. Je vole. Dites un Pokémon Coraidon, c'est ça. C'est impressionnant de le voir bondir comme ça. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. On y va. Ok, continuons. Il est où? Faut monter, j'imagine. Ok. Le viseur. Est-ce que tu vois un Pokémon qui est... D'où tu m'attaques à un traître Stracy, là?
peut pas passer, il n'y a rien. Ah si là. Tiens, tu l'as trouvé, hein. Ok. Ok. Putain, c'est Mario quoi. Ouais, c'est Mario en fait. C'est des stages de niveau de plateforme là ou quoi. Couvert. Ok. Là, l'autre. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un paradoxe magnéton. Il est joli, hein? Easy, bizz, bizz. Poltergeist. C'est quoi son nom? J'ai oublié. Enfin, je sais pas. C'est une exclusivité au DLC ou pas. Pelage sable. Oh, il est super. C'est pas trop sûr là ça. Ok. Pelage sablé, pardon. Je vois le miroir. Non. Alors, comment voulais-tu que je devine voir le miroir? Hein, comment voulais-tu que je devine? On va se faire. Sur l'électrique, peut-être. Ah, je peux pas le capturer. Fais chier. Javier, tu as réussi, la voie est dégagée. Alors on va soigner. Tiens, rappelle-moi, autant en profiter. Pour un terra cristal psy, lol. Eh oh. Même pas ce que ça fait si on tombe là. Mario quoi le truc. Putain. Je pense qu'on se rattrape par Poraidon. On verra bien, enfin, si on tombe. Je suis désolé que nous nous reposions autant sur toi, Javier. Merci pour tout. LOL. Vous m'avez entendu. Il semble que l'énergie terra cristallée est de plus en plus intense à mesure que nous avançons. Dépêchons-nous. Je pense que dans 9 minutes, les gars, on va s'arrêter là. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Et sinon, je vais être. Pas dans les cordes. Oula, oula, oula. On s'arrêtera devant un petit Rapagos, je pense. C'est quand même un bon petit épisode sympa là. Pour tourner un petit peu à la haleine là. Ok, total swing. Sur max. Je vais chercher dans l'eau, ok, moi j'ai déjà pour mission de garder quoi ma tenue au sec. Même pas de culot, hein. Wow, c'est
assez prenant quand même. C'est un gigancelle. Giga. Ok, alors niveau 81. Hein. Marteau point, ça ne fonctionne pas. Allez, petit coup. Et on le termine avec Psycho. Allez, Cass, cette fois c'est ton tour. Appelle Ravière pour lui dire que c'est ouvert. Je doute qu'il ait envie de m'entendre. Arrête de dire n'importe quoi et dis-lui de revenir. Allez! Hé, c'est bon, on peut avancer. Ok. Y'a rien dans cette zone-là? Il a quand même assez ouf. Y'a rien du tout. Tac 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 tac. Je pense que c'est là la fin. Bon, casse, crache le morceau, t'as clairement quelque chose à dire. Non, rien. C'est juste que j'ai l'impression que c'est Ravière qui fait tout. Fait un bon faux qu'on avance. C'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Je sens bien qu'il y a autre chose. Ah ah, ne t'inquiète pas, moi je ne vois qu'un garçon brillant de détermination. Pour ta gouverne, on est loin de se tourner les pouces pendant ton absence, hein. Nous aussi, on enchaîne les combats depuis tout à l'heure. Mort de rire. D'ailleurs, mon équipe est presque complètement à plat, et moi aussi. Seulement, petit effroyable est en état de se battre, donc t'as intérêt de venir nous sauver en cas de... hein. Tu manques pas de culot, tu manques pas de culot, Mon orbe Terra Cristal, on dirait qu'il réagit. Tiens, le mien aussi. La concentration d'énergie Terra Cristal que l'on trouve ici est phénoménale. J'ai l'impression qu'elle provient du fond de cette galerie. On arrive enfin au but, le trésor en plus. Ah, Cass, attends! Oh là là, dépêchons-nous, la vérité continue dans le livre et Écarlate va être enfin réveillée. Oh non, madame, pas vous aussi. Il n'y en a pas même pour attraper l'autre. Ok les gens, mais on va quand même s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Pokémon version Écarlate en DLC, le disque Indigo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve donc dès demain pour la suite et fin de ce fameux DLC. C'était Mega Samir. Bye tout le monde.